Les hommes noirs, généralement, sont mesurés par l'argent qu'ils apportent à la fin du mois, sans hypocrisie, vous le savez. On accorde le respect, généralement, en rapport avec l'argent, pas en rapport avec les valeurs, les idées, la présence. Non, c'est qu'est-ce qu'il apporte à la fin du mois. Le niveau de respect est calibré par rapport à ça, de l'obéissance, de la gentillesse, de la sympathie, même de la nourriture. Nous le savons, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Et beaucoup de femmes noires, malheureusement, aujourd'hui, perçoivent avoir un homme blanc comme un accomplissement social. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mwikasa, fondateur de Mwikasa House. Bonjour à tous les anciens, merci d'être là avec nous. Bonjour à tous les nouveaux, c'est votre première fois avec nous. Enchanté. Eh bien, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses sont censées changer. Mais il y a des choses fondamentales dans la vie de l'humain qu'on ne peut pas autoriser de changer. Par exemple, l'amour pour ses parents, vous savez, l'amour pour ses frères, ses sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. Et ce n'est pas qu'ils ont un problème spécifique. C'est normal, on a grandi, chacun vit sa vie. On ne peut pas normaliser ça. Il y a des choses fondamentales de l'humain qui ne peuvent pas changer, doivent être préservées au nom des valeurs qu'ils représentent. Il y a des années, beaucoup vivaient dans de sérieuses difficultés, opprimés, oppressés, sans emploi. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les gens peuvent vivre, peuvent travailler, beaucoup sont épanouis. Les femmes vivent, elles s'élèvent, elles travaillent, elles peuvent vivre tout seules. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais avez-vous déjà entendu une femme dire « Je vis ma vie, je suis responsable de ma vie, je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis égal à un homme, je peux vivre ma vie comme je veux. » Une femme africaine. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet très intéressant et sujet très sensible. Et je pense qu'à la fin, on va tous en tirer quelque chose. Beaucoup de femmes africaines vivant en Europe, surtout aujourd'hui, s'appellent féministes. Elles prônent le travail personnel, le développement individuel et beaucoup d'autres choses mettant en valeur la personnalité de la femme. Mais on remarque aussi, malheureusement, que beaucoup de femmes noires africaines qui s'appellent féministes ne comprennent pas les profondeurs de l'interprétation du féminisme tel que présenté aujourd'hui. Certaines comprennent, elles sont là, mais d'autres ne comprennent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va essayer de faire comprendre en toute humilité combien le concept féministe tel qu'interprété par beaucoup d'Africains est en train d'égarer beaucoup de personnes. Le féminisme tel qu'interprété aujourd'hui a eu principalement trois vagues. On n'ira pas dans les détails. La première vague a commencé au début du XXe siècle par des femmes blanches américaines réclamant le droit de vote. Je vous rappelle qu'en 1865, les Noirs, hommes américains, pouvaient déjà voter. Les femmes blanches ne pouvaient pas tolérer le fait que les Noirs puissent déjà voter pendant qu'elles n'étaient pas acceptées de faire la même chose. Leur mouvement était principalement basé sur ça, les suffragettes. D'ailleurs, les femmes noires à l'époque voulant s'associer aux suffragettes blanches féministes ont été rejetées après avoir voulu réclamer leurs droits dans beaucoup de sens. Entendant le mot féminin dans féministe, les femmes noires américaines à l'époque ont voulu s'associer aux féministes blanches pour réclamer leurs droits contre l'assujettissement, la répression et l'injustice. Mais elles ont été rejetées, brutalement repoussées, parce qu'apparemment, elles n'avaient pas les mêmes valeurs. Le féminisme de la première vague était un moyen pour la femme blanche américaine de pouvoir voter, et les Anglaises aussi, mais pas pour une libération totale, indiscriminée des femmes. La deuxième vague du féminisme a humecté les années 60. Les années 60, les années des hippies, les années du rock'n'roll, la liberté de choix, la liberté de sexualité, la liberté de pratique. Là, leur combat était différent. Il s'agissait principalement pour la femme féministe occidentale avoir le droit à l'avortement. Vous savez, après avoir eu des rapports intimes, conjugal ou extra-conjugal, avoir le droit de terminer la grossesse et avoir des contraceptifs. Le mouvement féministe occidental de la deuxième vague adopte un concept qu'ils appellent l'intersectionnalité. Alors, c'est quoi l'intersectionnalité? L'intersectionnalité étudie les formes de domination et des discriminations qui se nouent entre elles. Le sexe, la race, la classe ne devraient pas être, selon le concept d'intersectionnalité, séparés quand on réfléchit aux inégalités sociales. Il faudrait donc prendre toutes les discriminations en leur ensemble pour examiner et comprendre ce qu'ils subissent comme discriminés. C'est alors là qu'ils associent à leur mouvement les et les trans et les noirs pour faire une communauté. Mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce que les ont à voir avec les Noirs? Quel est le rapport? Sont-ils tous discriminés? Dans un groupe, vous voyez un groupe de gens qui veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Dans l'autre groupe, vous avez des gens qui, après 400 ans de lutte, de tuerie et de noyade, de viol,
veulent simplement réclamer leur existence dans une société telle que la nôtre. Quel en est le rapport? À moins que l'objectif soit d'utiliser la cause noire à leur histoire pour fortifier leur projet. Et c'est là le début du mouvement LG. Je dirais, d'accord, c'est gentil de penser à nous, les Noirs. Nous sommes discriminés, c'est bien gentil de votre part. Mais pourquoi on n'a pas mis les jeux? Allez, ils sont aussi discriminés. Nous pouvons tous faire partie de la même communauté et lutter pour le droit. Je dois dire ici qu'il y a eu des féministes, beaucoup de féministes africaines qui ont lutté pour des causes très similaires. Mais à un certain moment, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas match. C'était différent. Ce ne sont pas les causes pour lesquelles elles luttaient. Et se sont séparées peu à peu. Je cite ici, par exemple, maman Marie-Angélique Savané, une Sénégalaise, activiste très forte que je respecte beaucoup, qui ont participé activement à l'émancipation et au développement de la femme. C'est facile aujourd'hui de rencontrer des femmes afro, dire « je suis féministe », sans vraiment comprendre les profondeurs des tripes du féminisme. Quel féministe êtes-vous? Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Les objectifs premiers du féminisme a beaucoup changé avec le temps. Vous voyez comment nous partons. La troisième vague du féminisme est celle que nous vivons actuellement. Il s'agit de redéfinir le rôle de l'homme et de la femme dans la maison. On prône l'égalité entre hommes et femmes, liberté de choix, cuisiner quand on veut, si on veut, si on en a envie, faire des enfants si on veut, si ça nous dit, prendre soin des enfants si on veut. C'est bien l'égalité, mais c'est la direction dans laquelle nous partons. Je pense que vous commencez à comprendre peu à peu que le féminisme tel que décrit ne peut pas être universalisé. Il y a le féminisme, le maternalisme et beaucoup de choses. Mais il faudrait comprendre où on se situe pour avoir une direction. Maintenant, je voudrais m'adresser particulièrement aux populations qui partagent mes valeurs. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, considérez que ce message ne vous est pas adressé. Merci. Le féminisme occidental, tel que décrit aujourd'hui, a été utilisé par des forces étrangères pour détruire les familles afro-descendants. Nous vivons un moment déterminant où beaucoup de femmes noires disent ouvertement « Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai mon argent, je vis ma vie, j'ai mes enfants, je vais en voyage quand je veux, je reviens quand je veux, personne ne me contrôle. » Écoutez, c'est bien d'être libre, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir un boulot, avoir de l'intellect, des diplômes, faire des voyages quand on veut, revenir quand on veut. Mais quelle est la répercussion de ce choix dans notre vie d'aujourd'hui? Gloria Steinem, la femme activiste promotrice du féminisme occidental dans les années 60 aux États-Unis, adulée, respectée par les journaux et publiée incessamment, était agent de la CIA. Le féminisme occidental était subventionné par la CIA comme jamais auparavant. L'objectif était de promouvoir la femme noire, mais pas l'homme noir. Pourtant, ils étaient tous esclaves et asservis par le même système. Maintenant, réfléchissons. Nous sommes ici dans un environnement capitaliste où celui qui a le plus d'argent est le plus respecté, le plus considéré, le plus adulé. Et vous subventionnez la femme noire dans un environnement où l'homme noir est négligé. Il est incapable d'aller à l'école, de finir l'université ou carrément jeter en prison. Quel genre de société vous créez ? On crée une société où les femmes noires qui réussissent après avoir été subventionnées déconsidèrent les hommes noirs qui n'ont pas eu la même opportunité. Les femmes noires américaines de la classe moyenne n'aiment pas les hommes qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas réussi la vie. Mais les hommes noirs américains naissent dans une famille où il n'y a pas de papa. Pourquoi? Principalement parce qu'il a été soit abattu ou envoyé en prison. L'objectif est de créer des familles sans papa. Pourquoi? Parce qu'on sait que le papa et l'instructeur a généralement transmis la force à ses enfants, l'intelligence, une direction, un concept de vie, des valeurs. On veut avoir des maisons où les femmes sont libres, féministes. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'en ai pas besoin, mais je veux des enfants. Les enfants qui grandissent sans leur père sont difficilement égaux à ceux qui grandissent avec leur papa. On veut des femmes noires qui réussissent, des femmes noires qui étudient, des femmes noires qui s'appliquent, des femmes noires qui se distinguent. Mais on ne veut pas des hommes noirs forts. Et on se sert du féminisme occidental. Dans un monde capitaliste, matérialiste, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas considéré. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui déterminent la valeur d'un homme sur base du salaire qu'il apporte, mensuellement. On ne regarde plus les valeurs, la considération, son apport sur le plan psychologique, intellectuel, présentiel. On regarde plus souvent l'argent qu'il apporte.
C'est là qu'on dit papa est là. Tout le monde sursaute. Le féminisme occidental se cache derrière le droit de la femme, mais dans le but de faire autre chose. Le gouvernement libéral a créé quelque chose de très intéressant. Un poison très lent. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand tu as un enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Quand tu as un autre enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Si le papa est là, pas d'argent. Si papa n'est pas là, tu reçois de l'argent. Finalement, on encourage à avoir des enfants et des enfants sans papa. La majorité des gens en prison aux États-Unis sont noirs. 85% des enfants qui grandissent sans papa aux États-Unis vont en prison. Le président Barack Obama a dit une fois dans son discours que nous savons tous statistiquement que les enfants qui grandissent sans papa à la maison ont 5 fois plus de chances de commettre des crimes et de grandir dans la pauvreté, 9 fois plus de chances d'arrêter l'école et 20 fois plus de chances de finir en prison. Dans ce contexte, l'objectif est de dépouiller les familles noires américaines de leur valeur originelle. On veut masculiniser les femmes pendant qu'on féminise les hommes. Regardez-moi ce statistique. 5% des enfants des familles noires américaines naissaient d'une famille où il n'y avait pas de papa dans les années 60. Dans les années 80, il y en a eu 18%. Dans les années 2000, c'est monté à 33%. Et en 2015, à 41%. Est-ce par hasard? Maintenant, suivez-moi bien. Gloria Steinem, l'agent de la, a commencé son travail emphatique sur le féminisme dans les années 60. Subventionnée par l'agence, elle a fait un travail bouleversant dans les communautés noires pour promouvoir l'indépendance de la femme, l'indépendance financière, la liberté de la femme afro-américaine. Maintenant, regardez l'échelle. De 1960 à 5%, à 2015, à 41% d'enfants noirs américains naissent d'une famille où il n'y a pas de papa. Est-ce une coïncidence ? Des enfants dont 85% finiront probablement en prison. Il n'y a pas de hasard. Les féministes occidentales afro disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais bizarrement, elles veulent des enfants. Qui élèvera ces enfants? Quel paradoxe. Écoutez mes sœurs, je sais que parmi nous il y a des sœurs qui n'ont peut-être pas les papas de leurs enfants. Et je respecte ça. Beaucoup parmi nous, vous faites un travail incroyable. Et je vous salue pour cela. Mais je voudrais que tout le monde comprenne. Pour qu'un enfant devienne homme, il a besoin d'observer un homme. C'est un homme qui apprend à un garçon comment devenir un homme. Les enfants ne deviennent que le reflet de leur papa, les garçons. La plupart des gens, on dit la majorité des gens qui finissent par battre leur femme ou leurs épouses, ont grandi dans un foyer où il n'y avait soit pas de papa, où le papa battait leur maman devant eux. S'il vous plaît, ne nous dites plus que vous n'avez pas besoin d'un homme. Si vous avez besoin des enfants. Écoutez, vous pouvez faire un travail immense avec votre petit garçon et lui transmettre des valeurs merveilleuses. Mais ça sera difficile de lui transmettre la masculinité et la vision d'homme comme son papa le ferait. L'objectif premier et kabbalistique de Gloria Steinem était la masculinisation de la femme noire et la féminisation de son homme. J'espère que cette vidéo ne sera pas bloquée. Pour ceux qui connaissent l'Amérique, ils savent que les Black Américaines s'appellent Strong Black Woman. I'm a strong black woman. I don't need a man. I got my condo, my car, my job, and everything. Je suis une femme forte. Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai ma voiture, mon appartement et tout le bazar. Tu as ta voiture, ton appartement? Alors tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie? Un papa pour tes enfants? Quel paradoxe. Comme il n'y a rien de nouveau sur Terre, on va rentrer dans l'histoire. Pendant l'esclavage, on avait besoin d'enfants esclaves. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque? Pendant que les hommes travaillaient et les femmes travaillaient ailleurs, ils étaient séparés pour qu'il n'y ait pas de contact. Mais de temps à autre, on laissait l'homme partir chez la femme pour la fertiliser. Mais on les gardait à distance. Et quand l'enfant naissait, ils étaient à distance pour tuer la structure familiale. Moi, personnellement, aux États-Unis, je suis contre les avantages que reçoivent beaucoup de jeunes femmes pour avoir fait des enfants sans papa. Je pense que c'est une façon de favoriser cet engagement.
d'encourager ces pratiques dans la négligence, la paresse et l'insalubrité sexuelle. Et oui, il y a des femmes dans des cas très spécifiques qui méritent de l'aide. Cette aide précise. Mais malheureusement, on a institutionnalisé ces pratiques. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'étudier. Je ferai des enfants, on va me payer. Voilà. Ils n'ont pas besoin de connaître leur papa. Et 85% de ces enfants finissent où ? En prison. Je vais vous dire une chose sur le président actuel américain. Vous le connaissez tous. Ce monsieur-là, c'est connu, n'est-ce pas ? Il n'aime pas deux choses, lui et son groupe principalement. Et beaucoup de gens, je pense, ne comprennent pas tout à fait. Il n'aime pas l'avortement. Pourquoi il n'aime pas l'avortement ? Parce qu'il veut qu'il naisse en Amérique beaucoup plus d'Américains. Il n'aime pas l'argent qu'on donne aux gens qui font des enfants. Parce qu'il veut décourager les Noirs à faire plus d'enfants. Mais ces enfants noirs qui naissent sans papa finissent où ? À vous de voir. Les choses sont plus profondes qu'on l'estime. Nous regardons tout cela. Ah, il est raciste, il est méchant. Ah, lui, il faut connaître ce qui s'est passé pour avoir une image sur ce qui arrive. Écoutez, le féminisme a fait un travail énorme, surtout en Afrique. L'égalité de la femme à l'homme, le travail, l'abolition de l'excision, l'abolition des mariages entre vieux et enfants. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, la femme est indépendante, elle est libre, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a une voix. Et c'est génial, c'est merveilleux. Mes sœurs, je vous encourage dans la positivité. Je vous encourage à travailler, à chercher votre argent. C'est votre droit. Le Créateur place chaque humain sur terre pour une raison bien précise, pour accomplir son dessein. Personne n'est là pour un homme ou pour une femme. Ça, c'est vrai. Vous êtes là pour accomplir votre mission. Et ça, c'est votre responsabilité. Mais si vous voulez des enfants, il faut bien réfléchir. Vos enfants auront besoin de leur papa. Ne laissez pas aux gens vous dire « tu n'as pas besoin d'un homme ». L'homme ne fera quoi pour toi ? Ça crée une société handicapée psychologiquement. Tu n'as peut-être pas besoin d'homme, mais tu n'as besoin de personne pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'un homme. C'est un concept obscur, opaque. Les enfants qui naissent d'une famille stable, comme moi, je suis fier de le dire, j'ai eu un père stable, un homme sage, dont je prie pour copier les valeurs, grandissent dans ces mêmes normes. Les enfants qui naissent de familles difficiles, toxiques, reflètent tôt ou tard ces choses. Il est important de préserver nos valeurs africaines. Le monde change, beaucoup peut changer. On peut arrêter beaucoup de choses négatives, mais il y a des choses qui nous définissent. On nous a fait croire avec le temps que le mariage polygame était satanique, pendant que le mariage entre eux, c'est normal. Vous pouvez être une maman célibataire, mais n'empêchez pas vos enfants d'avoir leur papa. Vous pouvez faire un travail magnifique avec vos garçons. Mais vous ne le ferez jamais en ce qui concerne en faire deux hommes comme le ferait leur papa. Je ne peux pas faire d'une petite fille une femme. Je n'ai pas les capacités. J'aurais besoin de quelqu'un, ma soeur, ma tante, ma cousine, pour m'aider. Autant vous ne pouvez pas faire de vos petits garçons des hommes. Les garçons regardent les hommes. Dans une maison où un jeune garçon n'a pas de papa, il cherche l'homme influent du quartier. C'est son modèle. Il veut copier l'homme influent du quartier parce que son papa n'est pas là. Quelles sont les valeurs de l'homme influent du quartier ? Pour ceux qui savent, les femmes noires américaines peuvent être très difficiles. Surtout quand elle a fait l'école, elle a un peu d'argent, une situation sociale, elles deviennent compliquées vis-à-vis de leur propre homme. Elles commencent à regarder là. Les hommes de sa couleur sont généralement plus assez bien pour son goût, pas assez adéquat, pas assez intelligent, pas assez bon. Et les hommes américains aussi, dans ce cas, il y en a beaucoup qui vont épouser des femmes noires dans les Caraïbes, si pas en Brésil. D'ailleurs, à mon dernier voyage au Ghana, j'en ai vu plusieurs, et spécifiquement deux qui sont venus épouser des Ghanéennes. Parce que d'après eux, les femmes noires américaines sont trop insolentes. Et ça, ce n'est pas stéréotypé. Le danger ici, c'est que beaucoup des femmes afro dans le monde aiment copier les Américains. Surtout les francophones sont idolâtres des États-Unis. Et peu à peu, le mouvement entrepreneurial, qui est bon d'ailleurs, indépendant, qui est génial. Mais les choses qui vont en dessous de tout ça, le féminisme occidental, souvent associé à ces idées, peut devenir dangereux. Les hommes noirs, généralement, sont mesurés par l'argent qu'ils apportent à la fin du mois. Sans hypocrisie, vous le savez. On accorde le respect, généralement, en rapport avec l'argent. Pas en rapport avec les valeurs, les idées, la présence, non. C'est qu'est-ce qu'il apporte à la fin du mois. Le niveau de respect est calibré par rapport à ça. De l'obéissance, de la gentillesse, de la sympathie, même de la nourriture. Nous le savons, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Et beaucoup de femmes noires, malheureusement, aujourd'hui, perçoivent avoir un homme blanc comme un accomplissement social. Le travail est fait, le poison est là. Maintenant, nous savons. Il y en a qui le savent depuis longtemps.
on doit se prémunir. Féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Faire de la femme noire trop fort, tellement fort au point où elle sent qu'elle n'a pas besoin d'aide. Beaucoup de femmes noires aux États-Unis souffrent de dépression parce qu'elles sont incapables d'exprimer leur désarroi, leur peine, leur douleur. Pour elles, montrer ce qu'elles ressentent serait signe de faiblesse. Tu es trop fort. Strong African American woman. Trop fort pour demander de l'aide. Ne comprenons pas que ces mêmes femmes blanches ne se dérangent pas pour demander de l'aide quand elles en ont besoin. Elles ne se dérangent pas pour aller chercher une personne, pour leur apporter de l'assistance. Margaret Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne, a fait un discours sur le féminisme il y a très longtemps, pour soutenir le féminisme. Les femmes braves, fortes et courageuses. Pendant que dans le discours, on disait non, on a le droit de ne pas cuisiner, le droit de ne pas porter des enfants. Mais elle rentrait chez elle pour cuisiner pour son mari. Pourquoi? Mais cette femme était la seule à cuisiner pour son mari. Elle n'a autorisé à personne de le faire. Peu importe son travail de président de la République, c'était son mari, le père de ses enfants. Pourquoi? Mais elle a fait un discours fort sur le féminisme. Il faut réfléchir. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous rabaisser. Je ne vous dis pas de devenir stupide. Je ne vous dis pas d'accepter tout ce que les hommes disent. Je dis qu'il faut revoir le système. Les hommes ne sont pas tous mauvais. Non. Comme les femmes ne le sont pas non plus. Ne laissez pas une personne définir votre avenir, votre vision de la vie. Changez votre perspective des choses pour toujours. Il y a une grande différence entre féminisme et maternalisme. Cherchons à découvrir qui nous sommes. Quel est le genre de style approprié à ce que nous sommes. Pour ne pas trop dévier. Pour paraphraser maman Marie-Angélique Savanet, une activiste que je respecte, les principes du féminisme sont presque universels sur le plan théorique. Toutes les sociétés patriarcales ont été subjuguées par la domination de l'homme sur la femme. Mais la manière dont on réagit par rapport à la domination dépend des valeurs. Une Américaine ne peut pas venir, ne connaissant pas mon intimité culturelle, me dire « il faut faire comme nous ». Mon nom est Zach Mwikasa. Le guerrier noir, votre frère.